Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en Carton. Aujourd'hui, c'est le bazar, il y en a partout parce que je suis en train de tourner une vidéo explicative du jeu Hybris Disordered Cosmos que vous voyez ici. Donc, en attendant cette vidéo que je termine de la monter, je vous propose de découvrir le matériel se trouvant à l'intérieur de cette boîte qui est la boîte Retail. Donc pour ceux qui n'auront pas pledgé le jeu, vous allez pouvoir récupérer cette boîte pour environ 80€ en magasin. Et je vous montre donc tout ce qu'il y a à l'intérieur et je vous donne mon avis sur le matériel qui s'y trouve en sachant qu'il y a pas mal de choses à voir. Il y aura plusieurs vidéos consacrées donc à ce jeu, que ce soit donc cet unboxing, les unboxings des extensions, les règles de ce jeu, les règles des extensions, bref, on va faire pas mal de choses autour d'Hybris Disordered Cosmos en commençant tout de suite par cet unboxing. On voit ça maintenant. Et le voilà donc, ce Hybris Disordered Cosmos. Donc édité par Intrafine, je ne sais jamais comment ça se dit, Intrafine Games, originellement de chez Aurora Game Studio. Donc ici, on a sa version retail, donc version retail que l'on trouve pour environ 80€ dans votre boutique préférée. Alors voilà donc la taille de cette bête, donc clairement ça n'est pas Kallax friendly si on veut. Si vous voulez la caser de telle manière à ce qu'elle rentre dans cette hauteur-là, bien, vous le voyez bien, ça ne passe pas, ça ne passera pas dans votre Kallax. Par contre, si vous la placez à la verticale, eh bien oui, là ça passera, hein. Il y aura un peu de jour sur le côté, mais ça devrait le faire. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur cette boîte? Eh bien tout d'abord, on peut voir les illustrations. Les très sympathiques illustrations qui permettent de donner un contexte donc, à ce jeu. Donc étonnamment, c'est une boîte qui est très majoritairement verte, qui clairement, à mon sens, n'attire pas forcément l'œil. C'est pas vraiment la boîte sur laquelle on va se tourner, mais bon, clairement, c'est un jeu plutôt pour les connaisseurs. Donc c'est pas quelque chose qu'on va afficher en tête de gondole, entre guillemets. Et hop, donc voilà ce que vous pouvez voir sur le côté. Donc c'est plutôt très sympathique, ces illustrations. Et à l'arrière du jeu, bien évidemment, vous allez retrouver donc le résumé du jeu, voilà, avec un aperçu d'une mise en place, devenez un dieu de l'Olympe. Comme vous l'avez vu probablement, vous voyez, cette boîte ne ferme pas. Alors j'ai juste retiré le blister, mais vous le voyez, cette boîte ne ferme pas. Pourquoi? Parce que très souvent, il y a des planches de punchboard que l'on va devoir dépuncher, bien évidemment, pour pouvoir donc faciliter la rentrée dans cette boîte pour pouvoir la fermer correctement. Donc on commence tout d'abord par un épais livre de règles, mais épais surtout par l'épaisseur de ses pages, par l'épaisseur de ses couvertures qui plus est. Donc on a 32 pages avec un truc ultra intéressant, ultra important, un index à la fin, enfin quelque part en tout cas, l'index indispensable pour retrouver certains éléments pendant la partie, pour retrouver certains points de règles. Ça pourrait être obligatoire sur ce type de jeu, ça ne l'est pas toujours, c'est dommage. Et donc on a plutôt un livret de règles bien écrit, avec des paragraphes bien définis, assez agréable à regarder, on n'est pas sur du noir sur fond blanc, il y a pas mal d'illustrations. Je pense que ça va être pas trop mal à lire cette histoire-là. Donc évidemment, j'en ferai une vidéo, hein, c'est évident, je ferai une vidéo explicative du jeu, je vous dirai ce que j'en ai pensé, évidemment, au bout d'un moment, enfin, quelques parties sous le coude. Et donc on a une liste de matériel, liste du matériel qui va m'être très utile pour cet unboxing. Donc, qu'est-ce qui nous gênait dans cette boîte? Eh bien, tout d'abord, ça, les plateaux de joueurs. Et là, comment vous dire? Je pense que j'ai rarement vu des plateaux aussi beaux. Alors, je parle pas des illustrations qui sont très belles, mais ça, c'est une question de goût de couleur. Mais vous avez cette partie double couche avec une découpe qui est très particulière. Donc là, on a de la double couche ici, mais là, hop, on a de la double couche ici, assez profonde. En plus de ça, on a de la double couche donc sur ces deux grosses parties-là. On en a ici, on en a là, on a ici des zones, pareil, où on va pouvoir placer des éléments. Ici, une encoche, une sorte d'encoche, donc je pense que ça va accueillir quelque chose. Là, franchement, c'est superbe. C'est superbe. Donc là, sur le plateau de Zeus, on a le plateau d'Hadès. Donc là, bah, bis repetita, hein, exactement pareil, les mêmes zones, voilà, mais en plus de ça, vous pouvez apprécier les illustrations. Alors, par contre, l'arrière est noir, ça c'est un petit peu dommage, voilà, c'est un truc, bon, c'est un point de détail, mais c'est vrai que j'aime bien, moi, quand l'arrière est illustré, même si ça reprend la même illustration, enfin, ou au moins l'illustration du jeu, mais bon, c'est pas grave. Poséidon, donc voilà, vous pouvez également voir les illustrations, les zones sont exactement les mêmes, les zones en double couche.
et Athéna ici. Donc là, c'est la boîte, je le rappelle, boîte retail. Il y a 4 plateaux olympiens, donc un par joueur. Donc ça commence très bien parce que ces plateaux sont vraiment très beaux. Alors je suis en train de me rendre compte en essayant de les empiler qu'ils n'ont pas tout à fait la même forme. Vous voyez, ça dépasse, c'est pas tout à fait la même forme. Vous avez une forme spécifique en fonction du dieu. Donc bon, c'est du détail, mais c'est sympa parce que vous voyez, Athéna elle a ses petites colonnes qui ressortent là. Ici, donc Poséidon, on a cette espèce d'arche en fait sur le dessus. Là, Hadès, bon bah Hadès, je sais pas trop quoi en dire. Je pense que c'est pour représenter un petit peu une caverne, voilà. Et Zeus, en fait, vous avez ces drapés là qui redescendent. Et donc ça donne une forme différente pour chacun des plateaux. Est-ce qu'il y a une utilité plus qu'esthétique? Je ne sais pas, ça on verra. Ensuite, donc on enchaîne avec des punchboards et des punchboards et des punchboards. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a des tuiles technologie divisées en plusieurs types, en 5 types. Donc architecture, culture, militaire, sciences et sociales. Alors généralement, ça doit être architecture, culture, militaire, sciences et sociales. Voilà, de ce côté-ci et de ce côté-là, vous avez un petit peu plus d'illustrations. Donc, est-ce que ça se dépunche facilement? Oui, ça se dépunche facilement, voilà. Il n'y a rien de plus énervant que de venir déchirer de l'illustration lorsque l'on dépunche son jeu. Donc pour ça, faites-le du bon sens, bien évidemment. Mais je pense que si vous êtes là, vous connaissez le sens. Ici, on a d'autres, la même chose, hein, quasiment identique. Alors pardon, oui, il y avait des jetons ici qu'on retrouve là. Ces jetons, ce sont des jetons olympiens. Il y en a 15 par joueur, donc en fonction du personnage que vous aurez bien, vous aurez ces jetons-là. Ici, on va donc avoir de nouveau des jetons olympiens qui correspondent à Athéna, Poséidon et Hadès. Puis sur cette partie-là, on va avoir des standees. Donc là, on a des standees de héros et des standees de prophètes. Donc il y a 12 standees de héros qui se retrouvent donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je compte, ou à moins que j'ai du mal. 3 par joueur, 12 standees de héros. J'en vois un peu plus que ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'en vois 17. Alors, est-ce que c'est moi? Ah oui, parce qu'il y a des héros du Colisée. Voilà pourquoi. Ces 5-là, ce sont des héros du Colisée. Et donc, en effet, on a bien 12 héros. Et sur la partie basse, ici, on a 3 et 3, 6 et 12 également. Prophètes, donc ils sont différenciés. On voit une colonne, en fait, à l'arrière qu'il n'y a pas ici. Voilà, et donc au verso, hop, on a la même chose, insensiblement la même chose. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Et là, attention, on a encore du beau matériel, et on voit qu'on a les trails de chez Game Trails d'ailleurs, qui se profilent. Donc on va déballer ce petit truc-là. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Ce sont des tuiles amélioration, pareil, c'est impressionnant, on est sur de la tuile double couche. Alors là, hop... On va déballer ça. Donc je vous le rappelle, c'est un jeu qui vaut 80€ en retail. Hein, je ne parle pas de la version Kickstarter. Là, je n'ai pas pledgé la version Kickstarter. Est-ce que c'est une erreur? Très probablement. Mais ça, je vous laisse juge de ce point-ci. Et donc là, on a donc des tuiles d'amélioration. Donc j'en dépunch une. À l'arrière, il y a du texte. Et dedans, c'est de la double couche. Encore une fois, double couche par-ci, double couche par-là. C'est relativement épais. Qui plus est, bien compressé. On n'est pas sur de la... Parce que vous savez, vous avez plusieurs lames de carton, finalement, pour former une tuile. Et suivant l'épaisseur des lames et suivant le nombre de lames, vous avez quelque chose qui peut éventuellement s'effriter. Là, ça n'est pas le cas. Ça a l'air plutôt bien compressé. Ça a l'air de belle qualité, honnêtement. Vraiment de très belle qualité. Donc, il y a 24 tuiles d'amélioration. Donc là, vous en avez vu 6. Et donc, forcément, il y a le restant qui se trouve là. Hop, hop, et hop. Parfait. Donc, vous avez les tuiles d'amélioration qui correspondent à ces espèces de triangles, là, en double couche. Plutôt bien fichu. Et on va finir donc par ça. Enfin, finir. Avant les trails en dessous. On va déballer ça. Hop. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a un premier morceau de plateau. Et ce morceau-là, quel est-il? Ce sont les plateaux-lieux. Donc ici, c'est le Colisée. Donc c'est indiqué dessus, c'est facile, ça représente bien le Colisée. Pas de double couche ici, on pourrait croire, mais non. Ici, vous avez des emplacements pour des cartes, a priori. Et ici, des jetons. L'autre côté est noir, toujours pareil, un peu dommage. Mais voilà, ça a une belle forme. Hop, on enchaîne avec cette partie-là qui est l'Olympe. Bien sûr, l'Olympe qui est grandiose, hein, bien évidemment. Très beau, donc on a des emplacements ici pour des éléments, j'imagine, ça on verra dans une autre vidéo cette partie-ci. Un plateau de rappel, ce qui semble être un rappel vis-à-vis de peut-être certaines actions, peu importe.
Et ici, ça semble être des rappels d'action que l'on va pouvoir faire dessus, convertir, concevoir, ici s'entraîner, combattre sur le Colisée, voilà. Donc vous voyez, les différences de taille sont assez assez significatives. Et ensuite, on a donc une autre planche de punchboard qui va nous parler de jetons-lieux. Donc on a des jetons-lieux, Colisée, les Enfers, le Colisée, l'Olympe, la Forge, l'Oracle, les Moires. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Des jetons-lieux bonus, qui sont ces jetons-ci. On va avoir ces jetons-là, donc qui sont le reste des jetons personnages, des jetons olympiens, donc d'Hadès. Et enfin, non c'est pas Hadès, c'est Athéna je crois. Et enfin, c'est deux jetons rouges qui sont des marqueurs de combat. Voilà pour ça. Maintenant, hop, pardon, on va donc vérifier un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Donc ici, on a des traces de rangement. Ils sont vides, il faut les remplir. Hein. Voilà, je ne vous apprends rien. Et donc là-dedans, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, vous voyez, ça a la forme des tuiles d'amélioration. Donc ce sont ces tuiles-là, un peu que l'on a vu, les doubles couches. Donc ça, bon, bah, je pense que... Hop, on va vite trouver à quoi ça sert, voilà, donc ça rentre plutôt parfaitement dedans. Donc ce sont tous les mêmes. Ici, on va avoir quoi? On va avoir tous les socles pour les standees. Voilà, donc bon bah, pas de surprise. Hein. Je vais même pas les remettre dedans, parce que de toute façon, il va falloir que je m'en serve. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On a des jetons en bois, donc on va avoir toute cette partie-là. Donc les temples, des cubes et des marqueurs olympiens. Donc voilà à quoi ressemblent les temples. Donc ce sont tous les mêmes, je vous montre une couleur. Ici, je vous montre le vert, voilà à quoi ça ressemble. Ces temples, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? L'éternel sachet de silice, hop. Qu'est-ce qu'on a là? On a un marqueur olympien, donc on en a deux par joueur, voilà, tout simplement. Donc il y a des, je vais vous montrer quand même, parce qu'il y a des symboles différents. Alors sur le jaune, ça se voit pas très bien. Alors là, par exemple, vous avez le vert, je sais pas qui correspond à quoi. Où sont les plateaux joueurs? Ici, hop là, donc je pense que ça va correspondre, ouais, je pense que ça va correspondre à la couleur du plateau tout simplement, et donc du personnage. Donc ici, ça devrait être, je pense, Athéna, voilà, ça correspond à son bouclier ici. Donc avec son temple, bon, les temples sont tous les mêmes, donc je vais pas m'embêter avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a du bleu, donc le bleu, ça devrait, je pense, correspondre à Poséidon. Est-ce que ça... Oui, c'est ça, ça correspond à Poséidon. Il y a deux dauphins, en fait, c'est là, vous voyez, à droite et à gauche. Le violet qui correspond à Hadès. Alors, j'essaie de voir. Hadès... Ah oui, c'est Cerbère, d'accord. Ce sont les trois têtes de chien. Alors, il faut les voir. On a la tête centrale, et la tête sur la droite, et la tête sur la gauche. Donc, je pense que ça va être difficile pour vous de le voir. Faut être proche. Et donc, enfin, on a Zeus. Alors, Zeus, c'est le moins réussi, je pense, des jetons. Parce que, bon, déjà, celui que j'ai, il est imprimé un peu de travers. Hop, mais en gros, ça se voit pas vraiment en fait. Voilà, il y a une pointe. Alors, je sais pas à quoi correspond cette pointe. Donc voilà, ça correspond à la broche qu'il a sur le ventre. Voilà, c'est cette espèce de broche là de sigle. Donc c'est comme ça. Alors je sais pas ce que c'est exactement. Mais en gros, voilà. Voilà pour ça. Donc vous avez vu, pardon, ces jetons, ces marqueurs de joueurs avec les temples. Donc comme je vous l'ai dit, les temples, hein, c'est tous les mêmes. Seulement la couleur change en fonction du joueur. Donc ça, hop, on va le remettre dans le sachet. Le trait de rangement duquel j'ai retiré ça, bah, c'est exactement le même que les autres. Donc ça va, hop, retourner sur le côté. On a un autre trait de rangement, mais il est vide celui-ci, donc on ne s'embête pas. Ok, on poursuit donc évidemment. Tac, on va prendre ça. Alors je vais faire un peu de... Hop là. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc un plateau. Le plateau, même, j'imagine. Enfin, le plateau, il y a plein de plateaux dans ce jeu. Mais hop là, voilà. Donc il est noir hein, de l'autre côté, voilà, vous voyez, c'est noir, donc toujours pareil, je le répète encore, mais je trouve ça bien trop dommage quand on met beaucoup de détails sur plein de choses, mais qu'on oublie cette partie-là. Mais après, ça coûte des sous, bon, bref, je veux pas tourner autour du pot. Ensuite, donc ça, c'est le plateau principal, le monde mortel. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, donc, les illustrations sont assez cool. Je trouve que les... En tout cas, la couleur, bon, bah, la palette de couleurs est la même qu'utilisée sur la couverture. L'illustrateur doit être le même. D'ailleurs, il faut que je retrouve le nom. J'ai complètement oublié son nom. C'est pas bien. Mais en gros, on est sur le même type de dessin que vous allez trouver donc, sur la couverture et dans le livre règle. Ce qui, en soi, est assez cohérent et assez normal. On va avoir donc ici une piste donc, qui ressemble à une piste de score. Hein. Je pense que là-dessus, je ne prends pas trop de risques. On a ici une autre piste là. Et on a donc différents lieux. Donc Athènes indiqué, Élis, Sparte, le monde mortel. Donc ça, c'est la référence, je pense, à tout le plateau.
le puits ici, Lemnos et Argos, et à chaque fois vous avez des valeurs indiquées, donc qui doivent, je pense, correspondre à des, je sais pas, des récompenses de contrôle, j'en sais rien. Donc ça, encore une fois, on verra dans une autre vidéo, vous avez des sortes de socles qui doivent correspondre peut-être à des socles de figurines, et encore j'en suis pas sûr, ou des socles de tuiles, peut-être probablement, plus probablement des socles de tuiles, d'ailleurs ça correspond au socle des tuiles technologie, c'est la même forme. Donc voilà pour ce plateau qui est petit, mais attention, il est petit, enfin il est petit, voilà, il prend un peu de place, mais pas beaucoup, mais par contre il y en a beaucoup des plateaux, donc c'est un jeu qui prend beaucoup de place, hein. Si vous cherchez un petit peu sur Google, Board Game Geek, etc., prévoyez une belle table. Hein. Hop, alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le reste des plateaux qu'on n'a pas eu tout à l'heure, ici c'est l'atelier, donc qu'est-ce qu'on voit sur l'atelier? On voit une espèce de forge sur la partie basse. Voilà, on voit une espèce de forge avec donc, des architectures industrielles derrière. Ici, on voit une espèce de dôme, voilà, avec des éclairages, donc un dôme d'usine, quoi. Un peu ce qui se faisait avant, donc il y a un peu d'anachronisme dans tout ça, qui marche plutôt très bien. Donc ça, hop, je le mets de côté. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un autre plateau qui est le plateau des moires. Donc on voit les trois moires qui ont les fils, donc c'est les fils du destin, je crois. Donc voilà, très sympathique. Qu'est-ce qu'on a encore comme plateau? Je vous dis, il y en a beaucoup. Les enfers, bien évidemment, les enfers. Donc là, on a le Styx, j'imagine, hein, en vert comme ça. Donc le Styx ici, cette partie-là, ça ressemble à un drain, en fait, à un système industriel pour peut-être drainer le Styx, du coup. Donc ce qui est vraiment il y a un mélange entre donc ce qui se passe dans la mythologie grecque. Et puis le néo-industriel, si on veut. Et on a une porte ici, donc qui doit être la porte qui mène vers l'au-delà. Et donc toute cette partie-là, ouais, donc ici doit avoir la porte des enfers, qui doit être cachée juste derrière là. Voilà, qui doit être juste là, on doit avoir la porte des enfers. Donc voilà, c'est assez sympa, j'aime beaucoup en fait ce style. Donc il y a un socle de cartes ici, voilà, il y a d'autres icônes, ça on verra plus tard. Hop. Sur cette partie-là, le dernier, hop, je l'ai mis à l'envers, l'oracle. Donc l'oracle, on la voit ici, elle est ici l'oracle, donc elle est grande, elle est gigantesque. Et on a des socles ici, pareil, qui semblent être des socles de cartes, et ici également. Donc voilà pour les plateaux, je crois qu'on a fait le tour des plateaux. Ouais, ça c'est fait, on reprend notre super boîte. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des livrets d'aide. Il y en a 4, bah oui, on peut jouer jusqu'à 4, ça tombe plutôt bien. Donc il y a une liste des tuiles technologie. Ouais, une liste d'études technologiques, ça me fait penser un petit peu au livret que vous pouvez trouver dans Tricarion, qui recense tous les tours de magie, en plus petit et donc en moins encombrant, avec à l'arrière une iconographie. Donc ça, c'est cool de l'avoir également. C'est toujours cool d'avoir des jeux, de toute façon, dans ce type de jeu, c'est indispensable. Qu'est-ce qu'on a d'autre très rapidement? Ici, on a des cubes translucides de couleurs correspondant aux joueurs, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ici, on a des meeples. J'étais en train de me dire, oui, non, mais ce sont des meeples. Je suis surpris de voir des meeples là-dedans. Je ne les avais pas vus. Donc, des meeples avec une toge. Est-ce qu'on a un petit nom pour ces meeples? Oui, ce sont des fidèles. Ce sont des fidèles. Donc, il doit y en avoir une trentaine. Ça a l'air d'être à peu près ça. Donc, vous voyez, hop, on a le drapé qui passe devant. C'est un petit détail, mais c'est toujours très sympa. Parce qu'avoir des meeples assez classiques dans ce jeu-là, ça aurait été un peu dommage, je pense, au vu de la qualité et la qualité de l'édition et du matériel. Donc évidemment, des cartes, hein, parce que qui dit socle de cartes, dit cartes, ça va perdre. Qu'est-ce qu'on a comme carte ici? Donc on a... on va essayer de prendre les choses dans le bon ordre. Donc j'ai plusieurs types de paquets. Donc qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont des cartes variantes, ok. Donc il y a l'air d'avoir des règles supplémentaires, pourquoi pas. Ici, donc on a avec l'épée, ce sont des cartes héros du Colisée, voilà, donc avec des jolies illustrations dessus. Donc les cartes sont assez simples, hein, vous voyez, un fond avec une espèce de forêt entre le blanc et le bordeaux. Ici, on a des cartes primordiales, donc cartes primordiales, c'est bien ça, oui, je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Et donc là, on voit qu'il y a donc des figures de la mythologie, donc Chronos, le roi des titans, Pontos, le dieu mâle primitif de la mer, Rhea, la mère des dieux, Uranos, le dieu du ciel et de l'esprit, voilà, donc avec
avec des dessins qui rappellent les dessins en fait de l'époque, ce que vous pouvez voir. Alors je suis loin d'être un spécialiste dans le domaine, donc je vais pas vous dire d'ânerie, mais typiquement ce genre de dessin que vous voyez dans la mythologie sur les histoires qui sont racontées sur les dieux, etc. Donc ça c'est assez cool. Qu'est-ce qu'on a? Hop, ici on a des cartes qui sont des cartes piliers divins, donc avec du texte et des chiffres, hein, voilà. Sur cette partie-là, donc ça, elles sont toutes issues du même paquet. Ce sont les cartes prémonitions, pareil, avec des illustrations que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien ce style un peu épuré. Voilà, donc ça, c'est cool. Montée du stick, souvent de la discorde, développement, éruption violente, etc. Donc voilà, il y en a pas mal. Voilà pour ce premier paquet de cartes. Hop, on va le ranger donc à sa place, enfin à sa place, je crois, mais je pense qu'en effet, il y en a certains qui vont aller dans les 13 amovibles. Des cartes qui sont probablement liées au personnage que l'on va choisir, au dieu que l'on va sélectionner. Hop là, donc ça, ça s'en va. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le restant des cartes prémonition. Voilà, donc ça correspond un peu à ce que vous avez vu déjà là. Ici, hop, ce sont toutes les cartes, toutes issues du même paquet. Donc ce sont les cartes conflit du Colisée. Donc les cartes conflit du Colisée, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, des illustrations comme on avait vu tout à l'heure, en blanc et bordeaux, voilà, donc coup rapide, écrasement, un dieu chtonien, égoïste, bref, il y a pas mal de choses à voir, il y a pas mal de choses à voir. Voilà, voilà pour ça. Hop, le dernier petit paquet, on va le déballer également. Donc jusque-là, clairement, pour 80 euros, je suis pas déçu. Enfin, je suis pas déçu, 80 euros c'est une somme, attention. Disons que à 80 euros on s'attend à des choses, à des détails plus poussés, à de la qualité et à des choses plus représentatives que qu'un jeu qu'on va payer 50 balles, je dirais, sur un jeu expert. De type, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Par exemple, si je vous parle d'un jeu expert type Anno 1800, on a payé, c'était ça, c'était une cinquantaine d'euros, le matos c'était vraiment pas bon. Ark Nova, par exemple, j'adore Ark Nova, mais le matos c'est pas ouf, on va pas se mentir, il coûte pas 80 euros. Voilà, là quand tu payes 80 euros, tu t'attends, je pense, à ce genre de choses-là, à voir à la longue, mais les cartes ont l'air de qualité, mais tu t'attends à ce genre de choses-là quand même, à voir. Enfin, même là c'est encore un peu plus, qu'en plus de ça, il y a des traits amovibles. Des choses qu'on n'attend pas forcément. Mais clairement, c'est bienvenu. Et les plateaux sont épais, les tuiles sont de qualité, les plateaux sont double couche. Enfin, franchement, pour l'instant, je suis très satisfait de ce que je vois. Donc ici, j'en reviens à mes moutons. Les cartes conflit du... Non, c'est pas les cartes conflit du Colisée. Ce sont les cartes... Si, conflit du Colisée, c'est bien ça. Hop, donc on en trouve... Bah, en gros, c'est le même paquet qu'on a vu juste avant. Il y en a, en fait... voilà, il y en a pour Poséidon, il y en a pour Athéna, il y en a pour Zeus, et bien évidemment pour Hadès. Donc quand je vous disais Bordeaux tout à l'heure, en fait, c'était pour Hadès dans le paquet conflit du Colisée. Voilà, ça, on peut le remettre là. On a un paquet de grandes cartes ici. Quelles sont ces grandes cartes? Ce sont des cartes quêtes, 17 cartes épopées et 16 cartes affrontement. Donc en lien avec la mythologie, à la recherche de la toison d'or, l'ombre de Nyx, l'énigme du Sphinx, sur les traces de Gaïa. Donc voilà, vous avez une belle illustration à chaque fois. Alors les personnages sont pas les plus réussis, je trouve qu'il manque un peu de détails, mais ça après c'est le goût et les couleurs. Bon là on voit la boîte de Pandore, on voit retracer les 12 travaux, dérouber les pommes d'or, bref, nettoyer les écuries d'Ogias, capturer le taureau de Crète, localiser, trouver, niquer. Ça c'est vraiment, j'aime beaucoup en fait voir toutes ces cartes, toutes ces références, parce que bon il y en a que je n'ai pas, mais je trouve que ça fait écho en fait, le fait que ça fasse écho à la mythologie aussi, de manière aussi singulière, je trouve ça vraiment super intéressant, parce que on a envie en fait de jouer ces quêtes, on a envie de jouer ces histoires. Donc à voir comment ce sera utilisé dans le jeu, donc dérouper la ceinture d'Hippolyte, établir un réseau sous-marin, capturer les juments de Diomède, sceller Echidna, pardon, capturer les bœufs de Gérion, chasser les oiseaux de Stymphale, enfin bon bref, terrasser l'hydre. Donc là il y a beaucoup de choses, dompter Cerbère, lutte contre Anté. Moi j'aime beaucoup en tout cas, franchement le style est fou. Je trouve que l'idée du mélange... anachronique entre la mythologie grecque et une ville limite cyberpunk, enfin un monde limite cyberpunk, je trouve ça vraiment cool.
Voilà, éliminer la chibère, la massive, bon bref. Voilà, vous avez vu, il y a beaucoup de quêtes, ça c'est cool. Alors ça, ce sont des quêtes, parce qu'il y a deux types, je vous ai dit, il y a des quêtes... Non, ça, ce sont les 33 cartes quêtes, est-ce qu'on a... Oui, c'est ça, on a les 33 cartes quêtes ici. Et donc ça, ce sont des cartes aide olympien. Donc voilà, on a pour les 4 olympiens, on a des cartes d'aide, recto verso, donc ça c'est cool. On a ici des donc c'est des cartes liées au mode de jeu, donc aide de tour de jeu, mode classique, mode duel... Ici, on a d'autres cartes qui correspondent à quoi? Alors, celles-ci, ce sont des cartes de scénario, voilà. Donc, pareil, hop, rien de plus à dire, il n'y a que du texte. Et donc là, enfin, ce sont des cartes de posture en mode utilisable, en mode duel. Donc, hein, je le répète encore et encore, ici, je ne déballe que le matériel. On parlera du jeu dans une vidéo ultérieure qui devrait arriver dans pas si longtemps que ça. Mais évidemment, pour ça, il faut que j'y joue. Sinon, je vais vous dire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Eh bien, on va enchaîner par ces petits traits. Donc là, on voit que ce sont des traits qui vont accueillir, je pense, ces fameux cubes-là, enfin des jetons. Donc il y en a deux. Hop, et donc là-dedans, on va trouver des cubes argentés, tout simplement. Et ici, on va avoir des... alors, ce ne sont pas des cubes, là, ce sont... Ça ressemble à des... alors, ils appellent ça des Aegis. Ça, ce sont des cubes de prière. Et ça, ce sont des Aegis, donc ce sont des cristaux bleus, en fait. Voilà, donc voilà, ça c'est plutôt efficace, on va dire. Les cubes argentés, je crois qu'il y en avait, il y en a dans Terraform Mars. Tac, et donc là on a les figurines. Ah, oui, il va falloir que je trie ça pour que ça se ferme correctement. On a les figurines des Olympiens. Alors ici on va avoir la figurine de Zeus. Alors si vous êtes un figuriniste, eh bien je pense que vous n'allez pas être tout à fait déçu. Vous n'allez pas être déçu plutôt, ça a l'air quand même relativement propre. Ça a l'air, il n'y a pas l'air d'avoir nécessairement de bavure. Je suis en train de vérifier s'il y a besoin de passer le cutter. Ouais, peut-être sur ces parties-là, là il y a de la jointure un peu là. Il y a du détail, alors on n'est pas sur du cool mini Zornot non plus. Les figurines sont assez légères, mais il y a de quoi faire quand même. Si vous êtes un amateur du genre, si vous êtes un amateur de l'activité, il y a de quoi faire. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, attention, c'est fragile. Ouais, ça se balade. Donc ça, il tient juste par le bas, celui-là. Donc il va falloir faire attention. Mais bon, il est droit, il est pas plié, je suis content. Donc ça, ça doit être Hadès. Je pense, oui, c'est Hadès, c'est ça. Donc le voilà, Hadès. Voilà. Avec donc son sceptre qui se balade un peu comme ça. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a Poséidon, donc il y a une pose dynamique. On voit qu'il y a des... Donc là, il y a de l'eau en dessous de lui, hein. On a l'impression qu'il décolle. Ici, on a sa lance, enfin son trident, qui semble être recouvert de coquillages. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne en gris comme ça. Donc ça... C'est pas mal, la figurine est assez cool, je trouve, hein. Ouais, elle est pas mal du tout. Et enfin, cette partie-là qui concerne donc Athéna, qui tient c'est un parchemin, je dirais, une tablette en tout cas. Et donc, il y a des ailes à l'arrière, voilà, et qui semble se tenir sur des socles mécaniques. Voilà, donc il y aura de quoi faire, en tout cas, pour peindre ces figurines. Voilà ce que j'avais... à vous montrer sur cette boîte. Donc clairement, je vous le redis, je suis plutôt très content, très surpris agréablement surpris de la qualité du matériel, de l'épaisseur du carton utilisé pour les différents tokens, les différents jetons, tuiles et les plateaux. C'est vraiment vraiment plaisant de voir des plateaux double couche aussi, en plus avec une épaisseur pareille, parce que vous avez des doubles couches. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai eu Beyond the Sun, donc qui est plutôt jeune, d'accord, mais les plateaux double couche sont vraiment fins, donc forcément ça tient moins bien les éléments. Bon, ça fait clairement le job, je ne critiquerai pas, mais vous pouvez vous retrouver également sur ce genre de finesse en fait sur des plateaux, et donc sur certains jetons vous mettez un coup, ça peut potentiellement s'en aller. Bon, le but, l'idéal, c'est que vous mettiez pas de coup dans vos plateaux, mais bon, ça, hein, c'est jamais prévu. Mais là, clairement, il y a une épaisseur très importante, on est sur l'ordre de 3 mm entre la couche du bas et la couche du haut, et c'est ultra plaisant. Et en plus, c'est toutes ces découpes. Enfin, moi, je trouve ça super beau, les plateaux de couche. De toute façon, quand c'est bien fait, je trouve ça superbe. Donc, clairement, je suis plutôt très satisfait de voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, je le répète une dernière fois,
C'est la version retail ici, et donc ce n'est pas la version Kickstarter, autrement dit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la version boutique, voilà. Et donc sur cette version boutique, on trouve quand même un très beau matériel pour ce Hybris Disordered Cosmos. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, si vous avez un commentaire à faire vis-à-vis de cet unboxing. J'ai pu dire des bêtises, hein, puisque le jeu, je ne le connais pas encore, je ne connais pas ses règles, donc il y a probablement deux, trois petites choses qui sont passées, qui sont à corriger. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez vous-même pensé du matériel de cette boîte, si vous l'avez acheté. Si vous avez reçu la version Kickstarter, dites-moi ce que vous pensez de la différence entre la version retail et la version que vous avez. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre et que vous voyez ça, dites-moi ce que vous pensez, tout simplement. Pour 80€, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vaut le coup? Voilà, et donc évidemment, je vous invite très fortement à vous abonner à cette chaîne. Je suis toujours ravi de voir que vous êtes de plus en plus à me suivre sur la chaîne. Et donc, dans les prochaines vidéos, bien évidemment, on va traiter des règles de ce Hybris Disordered Cosmos suivi de ma review. Donc, lorsque j'aurai fait suffisamment de parties de ce jeu qui s'annonce a priori très bon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.